Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Play Vidéo Play Bénin. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, retrouvons les 5 vidéos. Ramou nous parle d'amour et on en profite pour la féliciter pour le succès rencontré sur BéninTube. T'offris mon cœur en entier. Me réveille près de toi les matins, m'endormis tout près de toi les soirs, bébé. C'est mon rêve. Te combler de mon amour, fais de toi le plus heureux des hommes. C'est mon rêve. On connaît Vanno Baby comme étant provocateur, mais cette fois-ci il a tapé fort. Vous voyez par vous-même. Joli tout donne le Brésil, mais aime bien me provoquer. Et donc à sa domicile, soit non mais tout ça pour me choquer. Mais non, oui, oui, à la senti. 90 minutes sans mi-temps. Mais non, en prolongation, mon gros pénalty. Faut foutre des nous vieux. Oh non, mi-temps. Chargeur, nous prévient à Noïa, cabine ou garo. Nokia Noïa, cabine iPhone. Chargeur, nous prévient à Noïa, cabine ou garo. Hystérie, cabine Samsung. Chargeur, nous prévient à Noïa, cabine ou garo. Nokia Noïa, cabine iPhone. Chargeur, nous prévient à Noïa, cabine ou garo. Kakaï Junior, Noïa, cabine Medaro. On se voit de. On se voit de charge. Voix, je vous laisse écouter. Pour ceux qui sont déjà séduits, vous confirmerez. Je ne veux pas décrocher. Je suis au top, je pense, je suis vraiment occupé. Elle me voit déjà chez les nanas, en train de lui faire plein de pouvoir. Mais moi, je ne veux pas pour de l'argent. Le téléphone a ringidi ringidi. Qui je vois, c'est mon bébé. Le téléphone a ringidi ringidi. Qui je vois, c'est belle maman. L'invité du jour est membre d'un collectif que vous connaissez et que vous aimez tous. Alors une petite idée? Bonjour Diessi. Bonjour Karine. Je suis enchantée de faire ta connaissance. De même. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Play Vidéo Play Bénin. Merci de m'avoir invité. Alors, quel artiste es-tu? Est-ce que tu pourrais te présenter? Écoute Diessi, artiste béninois. Membre du label CCC, voilà, ça fait depuis 2006 que l'aventure a commencé en solo, ensuite j'ai rejoint CCC et depuis ça n'a pas bougé. Très bien, alors parlons-en de CCC, qui sont les CCC exactement? Les fameux CCC. C'est une bande d'amis à la base qui se sont regroupés pour faire de la musique et derrière donc c'est devenu vachement plus sérieux. Donc tu as des solos, donc des individualités dans le label. Et ensuite, on arrive à fonctionner aussi en donc groupe. Donc c'est une bande d'amis, mais qui a formé un label en fait. C'est ça. La particularité, c'est que tu as
le label, donc de musique CCC, et le groupe de rap CCC. D'accord, voilà. Très bien. Et vous êtes au Bénin comme en France ou ailleurs? Oui, en fait, si tu veux, bon, on est basé au Bénin, mais on est un peu dispatché dans le monde. Anwar actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Paris, mais je repars bientôt sur Cotonou. Rawad, il était au Canada, il est rentré. Pareil pour Amir. Donc voilà, on se retrouve tous à Cotonou. Voilà. Et vous êtes toujours en contact? Ça bouge pas tous les jours. C'est chouette. Ouais. C'est une bonne chose, une belle preuve d'amitié. Je crois que les CCC ont grandi avec une aisance matérielle et financière. Peut-être que je me trompe, mais... Non, pas ça. Je pense que c'est peut-être l'image que les gens ils ont, mais en réalité, je pense qu'on a... C'est pas le cas. On a peut-être eu plus de chance que certaines personnes. Alors justement, parlons-en par rapport à la chance que vous avez eue par rapport à d'autres. Ouais. Est-ce que du coup, vous apportez votre aide à de jeunes artistes qui se battent au Bénin et qui aimeraient réussir dans la musique? Oui, je pense que ça a toujours été fait, c'est juste qu'on ne s'en vante pas forcément. Ouais. Malheureusement, ce que les gens retiennent à chaque fois, c'est les expériences qui se sont mal terminées. Et nous, ça ne nous empêche pas quand même de continuer. Donc je ne vais pas en parler, puisque le but, ce n'est pas ça, c'est qu'on voit. On est derrière certaines personnes et les gens le savent. Bah, c'est très bien, c'est une bonne chose. Voilà. Merci d'encourager la jeunesse béninoise qui se bat pour la musique. J'ai vu dans tes clips que l'alcool, les femmes, les voitures étaient très présents. Quel est ton univers exactement, D.A.C.? Bah écoute, D.A.C. Good Life, c'est la première mixtape que j'ai sortie. Donc voilà, c'est un univers, bon, j'étais un peu plus jeune, donc c'est un univers que j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est assez double standard, hein. C'est-à-dire voilà, c'est pas forcément à prendre au premier degré, mais c'est un univers qui correspondait un peu à ce que je vivais. Et d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui, parce qu'on aime toujours un peu le côté bling bling, ça ne m'empêche pas d'être père de famille, ou enfin tu vois. Oui, tout voilà, à fait. C'est ça. Donc c'est un peu le costume de l'artiste, donc c'est bien. D'accord, très bien. Alors tu as dit que tu allais rentrer au Bénin, je crois. C'est ça. Ok, est-ce que tu as des projets précis avec le Bénin ou des collaborations à distance avec ceux qui sont ici? Alors honnêtement, j'ai des choses qui sont en cours, puisque mon album solo est en cours aussi. D'accord. Il est presque terminé. J'ai notamment Richard Flash dessus, donc récemment d'ailleurs, c'est sur un remix dans son album. Et à part ça, je n'ai pas forcément recherché des featuring ou autre. J'en ai un avec Dixon qui est un rappeur que j'apprécie beaucoup. Oui. C'est plutôt une affinité. Donc d'accord. Je ne recherche pas un feat. Pour dire que j'ai fait un feat. Le but, mais t'es quand même dans la collaboration et le voilà, partage. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, c'est de la musique avant tout, donc bien on sûr. Aime ça. Donc s'il y a une occasion qui se présente, ok, mais sinon, je suis pas vraiment à la recherche de ça. Et on va dire que grâce à Dieu, aujourd'hui, le CCC, il est ce qu'il est depuis des années. Et je pense que nous, notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'asseoir ce truc-là. Alors dis-nous définitive. Tout, tu vas rentrer bientôt là. Qu'est-ce qui va se passer pour les CCC? Bah, écoute, on a envie de savoir. Bah déjà il y a la surprise du 14 février dernier, c'était une vidéo surprise, je pense que personne n'attendait ça. Ouais. Et j'ai vu un baiser sur les lèvres. Salut à Lionel. Voilà. Salut à Lionel. Oui, voilà, c'était un scénario. Bah, on fonctionne un peu comme ça, c'est au feeling en fait. C'est le morceau il a été écouté. On s'est dit bon, on fait ça, on va dans tel sens, on propose, voilà, et puis voilà, ça avance. Donc ce qui nous attend, ce qui vous attend, parce que nous on sait déjà. Bien sûr. C'est. Je n'en doute pas. C'est dans un premier temps des vidéos qui vont revenir, enfin des nouvelles vidéos, un concert. Mm-hmm. Et je pense. Un concert quand? Ah bah ça, j'en dis faut pas qu'on plus. Soit sur place. Je j'ai pense envie que d'y ce être. Sera plutôt vers l'été. Ça peut être intéressant alors, on va pouvoir s'arranger. Donc voilà, donc c'est chargé puisque c'est le projet CCC qui sort, donc c'est un album. C'est chouette, qui va sortir, donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais je pense que les gens ils attendaient beaucoup de nous, surtout après Partie d'un rêve, et on est de retour. D'accord. Et ça va être très très chouette. Écoute, D.A.C., moi je suis love de Cotonou et je suis love de Ouida. Alors je voulais te remercier pour ton featuring avec Anka. Bah merci à vous, enfin l'accueil, enfin je m'y attendais pas du tout, je pensais Anka non plus. On l'a fait vraiment au feeling ce son-là et d'ailleurs coucou à J.K. Beats parce que c'est lui qui a retravaillé l'instru parce que j'arrivais pas à trouver l'instrumental. Donc non, c'était une belle collaboration. C'est, Pour un très beau résultat. Thank you. Voilà. Coucou Anka du coup, t'entends. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Voilà, au plaisir de se retrouver, peut-être pour un concert, on verra. J'espère bien. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne continuation, plein de belles choses. Merci. Et puis merci encore. Merci. C'était D.A.C. pour Play Vidéo, Play Bénin. Elle est ma love. Elle est ma love. Elle est ma love.
Les filles, dès que je suis rentré, trop belle et m'envoûtée. Mes gars me disent, laisse-la t'émaquer. Je veux la goûter. Elle est trop classe, couleur ombrée, elle claque. Elle est ombrée comme je les aime. Elle me mate, elle m'appelle. Je me lève, je vais y aller. Ce soir, je me laisse aller. Salut, moi c'est Dak. Je veux tout ce que t'as en toi. Ne parle pas, c'est trop tard. Je t'ai déjà dans la peau. Pas un mot, trop tard. Je t'ai dans la peau. Ce soir, juste toi et moi. Et je veux qu'on le fasse ensemble. Tu sais qu'on vit qu'une fois. Donc ce soir, juste toi et moi. Lady J. Lady J. Lady J. La spiritualité de Nell Oliver transpire de sa musique à travers sa chanson Il rend grâce et nous l'avons choisi coup de cœur de l'émission. Donne ta vie à Jésus et tu seras libéré. Tu deviendras fils de Dieu. Jéhovah est son nom, il a changé ma vie. Il est déjà temps de se quitter, mais ce sera pour mieux se retrouver. À bientôt!